Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi est-ce que tu as des problèmes financiers? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'à la fin de chaque mois, tu as du mal à joindre les deux bouts? Ton compte est vide, ta poche est vide, parfois même chaque 10 du mois, tu n'as déjà plus d'argent et tu ne sais pas où est parti ton argent, comme si ton argent s'était volatilisé. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui tu es encore dans la pauvreté et que tu as du mal à en sortir? C'est simple, je vais t'expliquer. C'est parce que tu as encore des habitudes de pauvre. Et les riches ont compris quelque chose, c'est qu'ils ont des habitudes qui sont différentes de celles des pauvres. Et si tu veux sortir de la pauvreté, il te faut absolument suivre ces habitudes-là. Moi également, quand je vivais encore à Paris jusqu'en 2016, j'étais pauvre, malgré le salaire plutôt intéressant que j'avais. Jusqu'en 2016, j'avais jusqu'à 3 500 euros net de salaire par mois quand j'étais salarié. Mais malgré ce salaire, je n'avais pas beaucoup d'argent à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois. J'étais tout le temps endetté. J'avais jusqu'à 60 000 euros de dette en fin 2016, alors que je gagnais plutôt un salaire intéressant. Tout simplement parce que j'avais encore des habitudes de pauvre que j'avais gardées avec moi depuis mon enfance. Mais quand je me suis mis sur le chemin de la liberté financière, j'ai appris des habitudes qui m'ont permis de sortir de cette dette de 60 000 euros et aujourd'hui atteindre la liberté financière et venir m'installer ici en Afrique et vivre la meilleure de mes vies. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de partager avec toi trois de ces habitudes financières que j'ai apprises des riches. Des habitudes qui m'ont permis vraiment de pouvoir changer drastiquement ma situation financière. Et si toi aussi tu veux changer ta situation financière, malgré tout ce que tu gagnes aujourd'hui, malgré le montant que tu gagnes, je t'invite à suivre ces trois habitudes. Ce sont trois habitudes simples, trois habitudes faciles à implémenter, mais qui peuvent drastiquement changer ton argent. Parce que si tu veux atteindre l'altitude, si tu veux aller quelque part, il faut changer tes habitudes. Ce sont tes habitudes qui te permettront d'atteindre le sommet. Et ce ne sont pas tout simplement les motivations et tout ça là. Change tes habitudes aujourd'hui et tu verras que demain sera un meilleur avenir pour toi. Donc, voyons ensemble ces trois habitudes qui, je l'espère, te permettront de pouvoir sortir de la pauvreté. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais aussi en France et à Dubaï. Ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possibles réussir tous leurs investissements ici en Afrique et sortir de la pauvreté. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, bon, allez, abonne-toi maintenant, mon gars, et puis clique sur la cloche afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. Nous sommes plusieurs à regarder ces vidéos, mais il y a très peu de personnes qui sont encore abonnées. Donc abonnez-vous les amis pour que vous ne ratiez pas les vidéos, les contenus que je partage ici et les différentes expériences. D'accord? Et je suis revenu vivre en Afrique il y a de cela quasiment un an. Donc je partage aussi pas mal de mes expériences afin de permettre au maximum de personnes de la diaspora de revenir vivre en Afrique. Donc si le retour au pays est quelque chose qui vous parle, alors les gars, connectez-vous aussi. Oh, je dis connectez-vous. Abonnez-vous également afin de suivre mon retour au pays et d'avoir des conseils, des secrets, des astuces pour réussir votre retour au pays. Bon, voyons maintenant les habitudes de riches que moi j'ai dû mettre en place, que j'ai dû suivre, que je continue aujourd'hui de suivre, qui m'ont permis de sortir de la dette que j'avais, de sortir de la pauvreté mentale, de la pauvreté physique pour atteindre la liberté financière. Et ce sont des habitudes simples que lorsque vous mettez en place, je vous assure que vous allez voir les résultats. La première habitude, c'est que les riches, ils comptent leur argent. Les riches savent exactement où leur argent part. Et les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne comptent pas leur argent. Est-ce que vous vous rappelez de ce caractère de bande dessinée? Il s'appelait quoi? Balthazar Picsou. Balthazar Picsou est un caractère de bande dessinée ultra riche. Vous voyez, c'est le gars qui vit dans une grande maison, dans un château où il y a de l'argent partout. Il a de l'argent à n'en point finir. Mais le problème, c'est que quand il y a un centime qui sort de toute cette grosse fortune, le gars, il est au courant. Et moi, j'aimais beaucoup cette bande dessinée quand j'étais jeune. Je la regardais beaucoup. Bon, voilà, sans forcément apprendre des leçons sur l'enrichissement, mais je regardais. Et puis un jour, j'ai rencontré un mentor, quelqu'un qui m'a appris vraiment une partie de l'éducation financière que j'ai aujourd'hui et qui m'a dit, est-ce que tu connais Picsou? J'ai dit oui. Il m'a dit, regarde un peu Picsou, comment il gère son argent. Malgré toute sa fortune, il arrive à savoir où chaque centime part. Et ça, c'est un des secrets des personnes riches. C'est qu'elles savent gérer leur argent, elles savent où chaque centime part. Les pauvres, eux, ils ne savent pas. Le 10 du mois, par exemple, c'est peut-être ton cas, tu ne sais même pas où ton argent est parti. C'est-à-dire que quand tu gagnes ton salaire à la fin du mois, tu ne sais pas comment c'est dépensé, tu ne sais pas où c'est parti, et tu te retrouves le 10, le 15 du mois, tu n'as plus d'argent. Et ça, c'est le vrai problème qui t'appauvrit davantage.
Et surtout dans nos différents pays, avec cette monnaie esclavagiste qu'est le franc CFA, c'est une monnaie difficile à contrôler, j'ai l'impression. Et j'ai commencé à avoir un problème quand je revenais ici, en septembre de l'année dernière, ici à Abidjan où je vis en ce moment. Mais tu as l'impression que les francs CFA partent comme ça. Ils partent comme ça. Donc si tu n'es pas vigilant, tu vas encore dépenser ton argent sans t'en rendre compte. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu sors par exemple avec 20 000 francs CFA, est-ce que tu sais où sont partis ces 20 000 francs CFA? Donc moi, je sortais parfois avec 200 000, 300 000, 500 000 francs CFA, parfois 1 million de francs CFA. Et puis, à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, il me reste quasiment plus rien et je ne sais même pas où est parti l'argent. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où l'argent est rentré? Qu'est-ce que j'ai dépensé? Et plusieurs d'entre vous aussi, les gens de la diaspora, quand vous venez en vacances ici, vous vous retrouvez à dépenser beaucoup d'argent. Des 2 000 euros par semaine, des 3 000 euros par semaine. Et puis, vous ne savez même pas où cet argent est parti là. C'est parce que tout simplement, vous ne prenez pas le temps de compter votre argent, de savoir où est-ce que votre argent part, de pouvoir budgétiser votre argent. Du coup, comme ici, on utilise beaucoup de cash, ce que moi je fais, moi j'utilisais beaucoup de cartes de crédit parce que les cartes de crédit me permettent de vraiment gérer mieux mon argent. Il y a plusieurs là, ils disent oui, la carte de crédit, ça te fait dépenser plus. Mais moi, ça me fait dépenser moins parce que ça me permet vraiment de regarder mes dépenses tout le temps et de savoir bah, cette dépense. Non, j'aurais pas dû la faire, ces dépenses, ok, je la garde. Donc chaque jour, je regarde mon compte bancaire pour suivre un peu toutes les dépenses que je fais. Vous voyez? Et quand je fais une dépense avec ma carte de crédit, je reçois un message. Et ce message-là, je me rends compte que bah, si je commence à recevoir trop de messages dans une journée, c'est que je commence à faire trop de dépenses. Donc il faut que je commence à vérifier. Tu comprends? Et c'est ça le plus souvent avec le cash que je n'ai pas. Donc ici, quand tu sors avec beaucoup d'argent, avec du cash, tu te rends compte que tu donnes un peu d'argent ici, tu donnes un peu d'argent là-bas, tu fais telle dépense, tu ne notes pas et l'argent part vite. Apprends désormais à noter tes dépenses. Il faut savoir quelles sont les dépenses que tu fais. Quand tu sors le matin, tu as une somme précise, 10 000 euros, 10 000 francs, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, tout ce que tu veux. Note bien où cet argent va partir. À quoi il est destiné. Ne te laisse pas surprendre, tu comprends? Donc, quand tu sors, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas faire comme dépense. Les dépenses qui ne sont pas prévues, tu les mets de côté, tu vois? Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, quand j'étais revenu, je donnais un peu d'argent un peu partout. Ici, tu as donné 1 000 francs à quelqu'un parce qu'il t'a rendu un service, tu as donné 2 000 francs là. Parfois, tu donnes 5 000 de pourboire. Et un jour, je me suis amusé à un peu comptabiliser tout ce que je donnais comme ça. Et parfois, ça atteignait les 200 000 francs. 200 000 francs, c'est pas, voilà, c'est, ça va, c'est une somme correcte. Mais quand ce n'est pas budgétisé, imaginez 200 000 francs par mois, vous donnez seulement aux gens par-ci, par-là, eh bien, en 10 mois, ça vous fait 2 millions. Et c'est 2 millions avec lesquels vous aurez pu faire quelque chose. Donc, si le 10 du mois, tu n'as plus d'argent, le 15 du mois, tu es broke, tu n'as plus rien, c'est parce que tu ne maîtrises pas tes dépenses. Quand ton salaire tombe, apprends à savoir où chaque argent doit partir. Cela te permettra vraiment de savoir ce que tu dépenses et puis de maîtriser tes dépenses. Ça, si tu arrives à le faire, c'est déjà une bonne habitude qui te permettra de sortir au fur et à mesure de la pauvreté. La deuxième habitude, et ça, on a dit ça tout le temps, mais c'est que quand tu apprends à maîtriser maintenant tes dépenses, il te faut épargner. L'épargne est le béaba de l'enrichissement. L'épargne, c'est ce qui te permettra de pouvoir investir. L'épargne, c'est ce qui te permettra de pouvoir avoir de l'argent de sécurité si tu as des problèmes demain. L'épargne, c'est ce qui te permettra de pouvoir avoir un matelas de sécurité financier, comme on dit. Si aujourd'hui, toi, tu vis au jour le jour, tous les jours, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'épargne, tu es en danger. Et surtout en ce moment où nous sommes en train d'assister à une crise financière. Vous avez vu toutes les denrées alimentaires qui augmentent, tous les prix qui augmentent. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'épargne, comment tu vas faire face à tous les problèmes qui pourront surgir demain? Donc, il faut établir une épargne. C'est très important. Et cette épargne-là te permettra d'avoir une première partie qui est sécuritaire. Si tu as des problèmes, tu pourras facilement les résoudre. Et puis, deuxième, c'est l'autre épargne. L'autre partie de ton épargne te permettra d'investir. C'est ce qui te permettra de pouvoir mettre de côté, de pouvoir investir dans des projets qui te tiennent à cœur plutôt que d'aller supplier les gens pour te financer ou supplier les gens pour te donner un peu d'argent par-ci, par-là. Et ce qu'il faut faire, on dit souvent qu'il faut mettre 10% de ses revenus d'épargne de côté, non? Mais moi, j'ai dit, si tu peux mettre plus, mets plus. 10%, c'est vraiment le béaba. Mais si tu veux vraiment accélérer ton enrichissement, mets beaucoup plus. Si tu gagnes 200 000 francs CFA par mois, si tu peux tout faire pour mettre 100 000 francs CFA par mois, mets de côté. C'est-à-dire, il faut arrêter la vie où tu montres les bling-bling, où tu vis pour faire plaisir aux gens, pour paraître. Tu mets tout ça de côté et maintenant, toi, tu épargnes énormément. Cette épargne-là te permettra de pouvoir financer tes projets que tu as et de sortir de la pauvreté.
Si tu ne fais pas ça, tu vas toujours rester dans des problèmes financiers et tu vas te rendre compte que bah, ta situation ne change pas, malheureusement. Et la troisième habitude que j'ai apprise des riches, c'est que les riches, ils apprennent constamment. Comprends une chose, c'est que le niveau d'argent que tu as aujourd'hui dépend du niveau de connaissances que tu as. Et ça, je le dis souvent dans le groupe Elite Club avec d'autres investisseurs africains. Si tu ne sais pas beaucoup de choses, tu ne pourras pas avoir de l'argent. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont 50 000 francs CFA par mois dans leur compte ou par mois de salaire parce que tout simplement, ils ont le niveau de 50 000 francs. D'autres ont 100 000 francs parce qu'ils ont le niveau de 100 000 francs. D'autres encore ont quoi? 200 000 parce qu'ils ont le niveau de 200 000 francs. Donc, si tu ne prends pas le temps d'augmenter tes connaissances pour pouvoir avoir plus d'argent, tu n'en auras pas plus. Et les riches sont des gens qui apprennent toujours. On apprend en lisant des livres. C'est pour ça que plusieurs vont vous montrer des livres qu'ils lisent. Et c'est dans les livres qu'ils vont apprendre énormément. Moi, j'ai énormément appris dans les livres. Tout ce que je sais aujourd'hui, en tout cas une bonne partie, 80% des connaissances que j'ai en intelligence financière et tout, c'est dans les livres que j'ai appris. Je vous ai parlé de l'homme le plus riche de Babylone, je vous ai parlé de père riche, père pauvre, je vous ai parlé de l'autoroute du millionnaire, du millionnaire et plein d'autres. Donc, à chaque fois que tu vas apprendre une nouvelle connaissance, eh bien cela te permettra de pouvoir activer quelque chose de nouveau qui te permettra de savoir gagner de l'argent et multiplier ton argent. Donc, si tu veux t'enrichir, il est important de commencer à lire les livres que les riches lisaient. Il est important de commencer à aiguiser ta capacité à avoir plus de connaissances. Et ça, tu peux le faire grâce à des formations, en regardant les vidéos YouTube que je publie ici, en regardant d'autres chaînes YouTube qui parlent de comment gagner plus d'argent, comment gérer son argent, au lieu d'aller regarder les vidéos de Buzz et autres. C'est plutôt des vidéos éducatives qu'il te faut regarder, des vidéos d'investissement. Et puis aussi en lisant, la lecture te permettra vraiment d'acquérir des connaissances qui vont te permettre de pouvoir savoir mieux gérer ton argent et investir. Donc voilà trois habitudes, si tu les appliques aujourd'hui. Je suis sûr que au fur et à mesure que le temps va partir, au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas changer ta situation financière. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.